Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 24 février, on va se rappeler de cette date-là, 2022, 8h32, heure du Québec, ça y est, l'invasion a commencé, la guerre est déclarée entre le, le, la Russie et l'Ukraine, mais en fait, c'est la Russie qui semble, hein, de toute évidence, être l'agresseur ici, beaucoup de connexions historiques, ce qui va arriver, on ne sait pas, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment... Ça se termine, mais moi, ça fait depuis le mois de novembre que je vous dis, préparez-vous, il y a quelque chose qui s'en vient. Et à chaque jour, on voyait, avec les liens que je vous trouvais, que c'était devenu inévitable. Maintenant, ça c'est des images en direct de Kiev, plein de gens sont en train de fuir, il y a eu beaucoup d'explosions qui ont été entendues. J'ai trouvé beaucoup d'informations, on va aller voir ça ensemble. Donc, on va commencer avec l'Associated Press qui nous dit que ça y est, hein, la Russie attaque l'Ukraine, on brise la paix européenne. Ça a été publié à peu près une dizaine, une dizaine de minutes, ça, mise à jour. La Russie a lancé, jeudi, une attaque de grande envergure contre l'Ukraine, frappant des villes et des bases avec des frappes aériennes ou des bombardements alors que des civils s'entassaient dans des trains et des voitures pour fuir le gouvernement ukrainien a déclaré que les chars et les troupes russes traversaient la frontière dans une guerre à grande échelle qui pourrait réécrire l'ordre géopolitique dont les retombées Ils se sont déjà fait sentir et ont déjà eu des répercussions dans le monde entier en déclenchant l'action la plus agressive de Moscou depuis l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Le président Poutine a détourné la condamnation mondiale et les nouvelles sanctions en cascade et a fait référence de manière effrayante à l'arsenal nucléaire de son pays. Il a menacé tout pays étranger tentant d'interférer avec des conséquences que vous n'avez jamais vues. Hein, des paroles qu'on se rappelle un petit peu du, de l'ex-président euh, Trump quand il disait, si vous faites ceci hein, en parlant de la Corée du Nord, vous aurez des conséquences. Que vous avez jamais vu. Des sirènes ont retenti dans la capitale ukrainienne. De grandes explosions ont été entendues là-bas et dans d'autres villes. Et les gens se sont massés dans les gares et ont pris les routes, alors que le gouvernement a déclaré que l'ancienne République soviétique assistait à une invasion attendue depuis longtemps de l'Est, du Nord et du Sud. Il a rapporté que plus de 40 soldats déjà avaient été tués et des dizaines de blessés aussi jusqu'à présent. Le chef de l'alliance de l'OTAN a déclaré que l'acte de guerre brutal avait brisé la paix en Europe. Maintenant, le son nous déclare, nous apprend aussi que des missiles russes frappent des villes à travers l'Ukraine avec des centaines de victimes, alors que Poutine ordonne une invasion à grande échelle. Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine et a déclenché son arsenal terrifiant avec un assaut à grande échelle contre le pays, plongeant l'Europe dans une nouvelle crise sanglante. Le tyran a déclaré une opération militaire spécial en Ukraine avec un raid à l'aube après des mois de rassembler ses forces hein, de, on le savait ça faisait des mois qu'il rassemblait des troupes puis je vous en parlais on avait amené récemment des, du sang on avait monté des hôpitaux ça tu fais pas ça lorsque tu prétends faire des exercices militaires et on a vu que finalement c'était pour un plan bien précis l'aube s'est levée sur une Ukraine assiégée waouh vraiment pas un cadeau Maintenant, Zelensky dit que l'Ukraine a subi de graves pertes après que des frappes aériennes russes aient atteint des dizaines de cibles. Le président Zelensky a déclaré que son pays, à son pays que l'Ukraine avait subi de graves pertes au début de l'attaque euh, tant redoutée de la Russie au début du 24 février. Donc aujourd'hui, un conseiller affirmant qu'au moins 40 personnes avaient déjà été tuées, probablement 40 soldats. Zelensky a également déclaré qu'il rompait les relations diplomatiques avec Moscou. Il a exhorté les Russes. Qui n'avaient pas perdu leur honneur à protester contre les actions du gouvernement. ABC, lui, euh, plutôt CNBC, nous rappelle que le down plonge de 800 points, hein, naturellement. On va voir euh, un effondrement du stock market, comme on dit. Assaut de Kiev, euh, du Daily Mail, maintenant, on s'en va au Daily Mail. Des hélicoptères russes survolent la capitale ukrainienne alors que Poutine lance une invasion totale du nord, du sud, de l'est avec des missiles de croisière frappant des aéroports et des bases militaires, des chars roulants et des dizaines de morts. Déjà, je vais vous laisser tous les liens, naturellement. Encore, on revient au son des photos d'horreur, montrent des civils trempés de sang après que la Russie ait bombardé un immeuble tuant un garçon lors de l'invasion de l'Ukraine. Donc, ça commence déjà les... Euh, les images euh, horribles, vous allez euh, trouver ça dans ce lien-là. Maintenant, euh, dans l'Est de l'Ukraine, on entend des explosions. Hein? Euh, puis on a la panique, nous rapporte DNYUZ. L'attaque ukrainienne laisse les Pays-Baltes se demander, sommes-nous les prochains sur la liste, se demande l'AFP. Et encore avec l'AFP, la télévision d'État russe. Dépêche-Moscou comme le sauveur de l'Est de l'Ukraine, naturellement, chacun a son narratif. Il y a toujours deux camps. Je peux vous dire que moi, j'ai absolument aucune affinité avec ni un ni l'autre des camps. Je suis là juste pour vous rapporter ce qui se passe. Puis je vous avais dit que c'était pour arriver, parce qu'on a besoin de... Il y avait un trou, hein, je vous l'ai dit, l'Ordre mondial n'est plus là depuis plusieurs mois. Et qu'il y avait des trous qui sont laissés vacants, puis il faut que ces trous-là soient remplis. Puis là, on va voir maintenant la Chine aussi qui va emmené large. Emmanuel Macron a échoué dans, son, dans sa t -t tentative de, de, de rapprocher les deux camps. Donc Emmanuel Macron, euh, qui avait essayé de faire probablement un petit peu de capital politique avec ça, peut aller se rhabiller, comme dirait l'autre. Ça n'a pas servi à grand-chose. Maintenant, euh, les images d'Ukraine. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'images de, de, qui nous ont été montrées. Déjà d'attaque. Donc, on verra bien comment ça va se terminer. Pas demain matin, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est embarqué dans quelque chose qui fait l'affaire des dirigeants aussi. On peut changer le narratif de la crise économique, de l'inflation, du désastre des deux dernières et euh, des deux années, des deux ou trois dernières années hein, dans lesquelles on a été plongé dans un système totalitaire. Là maintenant, on change le narratif. Comment ça va se terminer, je ne sais pas, mais je vous avais dit, ça s'en vient. Préparez-vous. Il y a Benetton qui m'a envoyé un message qui m'a dit T'avais raison, Jean Je salue tous ceux qui, me, qui sont là, abonnés, qui m'écoutent. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Puis on se retrouve avec d'autres développements. Euh, C'est sûr, on fait juste commencer la guerre. Ça ne se terminera pas de sitôt. Les chaînes de télé continuent, vont se régaler, vont faire de l'argent. Tout le monde va être là à se précipiter sur leur écran. Ça va occuper le monde. Tout le monde se rappelle des images spectaculaires qu'on a eues lors de la première et deuxième invasion de l'Irak. Ben, on remet ça pour une troisième avec sûrement un téléroman, un téléroman qui va se poursuivre à la télé pendant longtemps.